Or, ce qui fait le plus parler depuis 6 mois, ce sont vos erreurs de communication, le mariage à bande ou le sapin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds d'abord que ça passionne le petit monde médiatico-politique, qui en a beaucoup parlé, y compris dans les plus hautes, même à l'étranger, me dit-on, on a parlé du sapin du maire de Bordeaux. Donc, c'est vraiment le petit monde. Vous savez, actuellement, on vit une époque de zapping, on parle beaucoup du sapin, le lendemain, on parle d'autre chose, donc je ne suis pas du tout inquiet sur cette communication outrancière qui a été faite autour de ce sapin. Mais vous savez, souvent, quand on parle de la forme, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler du fond. Mes adversaires sont les premiers à dire « Oh là là, il fait des tas de choses, etc., mais qui ne sont pas bien, et tout. » Mais qui disent en quoi ces choses ne sont pas bien, qui parlent un peu du fond. Moi, j'aimerais qu'on parle du fond, de ce que j'ai fait, de l'urbanisme tactique, du fait que j'ai mis, je crois, un terme au fait que Bordeaux était devenu l'Eldorado des promoteurs immobiliers, le fait qu'actuellement, on n'artificialise plus les sols de Bordeaux, on végétalise une ville qui avait été outrancieusement bétonnée ces dernières années. S'ils ne sont pas d'accord, mais qui communiquent ou qui parlent, qu'on échange un peu là-dessus. Une ville qui est en train de réinventer une nouvelle politique culturelle. S'ils ne sont pas d'accord, qui communiquent, qui discutent de tout ça. Mais s'ils discutent autant des petites phrases, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur le reste. Donc écoutez, je ne peux pas empêcher ce petit monde-là de continuer à scruter à la virgule près. Vous savez, j'ai comme, je crois, spécificité de parler de façon assez directe. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent un quart de seconde qu'à un moment donné, ils arriveront à limiter ma liberté de parole. Alors, je reconnais qu'il y a des propos qui ont pu être maladroits. Je le reconnais. Mais en tout cas, ma liberté de parole, hors les murs de tous les codes conventionnels, voilà, c'est ma liberté qui l'emportera toujours.